c'est 3e et 4e, c'est 1e échange avec la presse que nous avons fait après le tremblement de terre là qui passait dans le pays un samedi soir. Dans la conférence, je suis avec moi, DG, ministère de culture et communication, département de communication, qui c'est M. Calvin Cadet. Gagné à ma droite, DPC, Dr. Thierry Chandler. À côté de Dr. Chandler, gagné directeur général du ministère intérieur et collectivité territoriale, Fédéral Monchiri. Gagné tout dans la conférence, ministre chargé de la question du patrimoine et de la citoyenneté, qui c'est Guy François Junior, qui est avec nous dans la conférence. La conférence a porté sur 3-4 points. A gagné intervention des PCA, directeur protection civile là, qui c'est le docteur Chandler, qui a fait bilan, qui depuis hier, il y a une certaine augmentation, donc il y a une hausse dans le bilan. Il va l'actualiser, donner pour nous. C'est ça, il y a un bilan consolidé par rapport à toutes ensemble information qui sortit dans la protection civile qui souterraine dans la commune et dans le département. Après, le directeur général du ministère de l'Intérieur a intervenu sur l'implication collective territoriale dans la réponse qui a baillé l'autre autorité locale qui souterraine. Il y a une question qui concerne la gestion de l'aide. Ils ont communiqué au ministère Culture et Communication publié, n'a clarifié la conférence. Ça. Et pour toutes les questions, il y a un monde sur le panel là qui est certainement capable de répondre. Encore une fois, merci pour la diffusion de la conférence pour la presse. Docteur Chandler, Je dis tout bonjour et merci pour la participation dans la conférence de presse. Et bon, j'en nous connais, nous là parce que nous avons des événements malheureux que nous obligés de déplorer qui passaient dans samedi. Donc, effectivement, il y a un séisme qui était en magnitude de 5.9 qui arrivait dans le département nord-ouest et qui souquait plusieurs villes dans le département, mais que tout le monde ressentit pratiquement dans tout le pays. Et malheureusement, l'événement a causé des dégâts, il fait des victimes et il fait des dégâts matériels. Donc rapidement, dernier chiffre que nous gagnons à travers tout ça que nous récoltons dans différentes représentations de protection civile, bah nous au total malheureusement de 15 personnes qui sont décédées. Donc 9 là-dedans dans la ville de Port-de-Paix, une dans la ville de Saint-Louis du Nord, 5 là-dedans dans Gros-Mon, dans Ouart-Thibonite. Nous avons à peu près 300 personnes qui blessés, mais ça que dans 300 personnes, ça y a pratiquement tout déjà, pris soin, tout déjà, c'est des personnes que ont adressé problème et justement, ils ont fait ça qu'ils ont pour faire pour eux. Okay? Parce que la plupart d'entre eux, heureusement, c'est des blessés légers, blessés qui étaient plus graves. Rapidement, le ministère de la Santé publique, la Croix-Rouge, à la bas coordination de DPC, ont justement intervenu pour faciliter et que vous menez à l'hôpital, pour faciliter le renforcement de l'hôpital et qui est dans le département concerné et faciliter tout transfert certains patients qui ont besoin de soins spécialisés dans l'autre hôpital. Entre temps, et ça qui était quand même notable et intéressant pour nous retenir, c'est le fait que automatiquement que ça fait, il y a une grosse mobilisation qui fait dans le niveau gouvernement et dans le plus haut niveau de l'État, il y a une attention spéciale qui vient accorder par rapport à la situation. Ça. Effectivement, le président de la République, le premier ministre là, et toute équipe gouvernementale là, viennent nous réunir ensemble avec nous-mêmes dans la protection civile, le ministère intérieur, pour nous organiser, nous, pour nous capables de comprendre ce qui passe et porter et organiser secours et réponse. Et dans le cadre de ça, le président de la République a effectué une visite avec le premier ministre et avec certains ministres dans le département qui était concerné. Donc c'est comme ça que hier, le président fait une visite dans le département nord-ouest et dans le Ouart-Thibonite, côté que l'a visité côté Pitouché. Et après ça, il passait instruction pendant qu'il était avec le premier ministre, il a tout passé instruction par différentes instances concernées pour que nous capables d'organiser nous, pour nous capables d'orchestrer les réponses. Donc, rapidement, et en termes de d'activité et qui directement qui menait, j'en ai dit à l'heure là, un paquet de bagailles qui est en branle pour que nous soyons capables d'avancer. Parce que, et vraiment, l'impact, c'est des impacts qui étaient directs et qui étaient quand même assez intenses. Nous avons une évaluation. Côté que nous avons que nous avons à peu près 40 bâtiments institutionnels qui atteignent. Okay? Nous avons 4 écoles nationales, particulièrement dans la ville Pilate, qui détruit. Donc tout ça, c'est des bagailles pour nous adresser rapidement, en plus de populations qui retrouvent justement nos situations qui sont difficiles. Donc rapidement, ça nous fait. Nous travaillons ensemble avec différents ministères sectoriels. Donc en bas, l'autre président de la République et leadership et premier ministre qui est président du comité national de gestion des désastres. Nous organisons nous pour que différents ministères fassent travail et impliquent
pour aider nous faire réponse là. Donc ministère défense qui est en déployé sous port de paix deux unités et militaires avec les congénien et deux contingents qui est en déployé dans le département nord-ouest, une là d'ailleurs dans port de paix, l'autre là justement et dans zone Goumon pour capable commencer à accompagner population avec protection civile et procéder à des opérations de nettoyage. Là au public tout qui est en intervenu justement particulièrement dans zone Goumon qui était très affecté côté que yo qui est en commencer travail de déblayage et de nettoyage pour que justement nous rétablir la normalité dans la zone ça. Et j'aime des états à la ministère de la Santé publique avec appui la Croix-Rouge haïtienne et l'autre institution qui est impliquée dans le domaine de santé, organiser pour être capable et fournir un renforcement au niveau de l'hôpital, différents hôpitaux qui dans le département qui était atteint. Renforcement non seulement en termes de matériel, donc le côté sérum, le côté train, le côté matériel médical, mais renforcement tout dans le personnel. Donc nous avons des docteurs que nous déployons sous place pour aider le docteur Kilayo à continuer le travail et adresser la situation, ce qui fait que nous sommes capables de dire que nous pratiquement retourner presque à la normalité. Et l'hôpital, l'autre, il y a des malades qui ne sont pas capables, il y a des patients qui ne sont pas capables d'occuper directement sous place. Donc, avec coordination, protection civile et avec justement participation de certains partenaires, nous réussissons à déplacer par ces salariés, soit par ambulance terrestre, soit par ambulance hélicoptère, pour être capables de prendre soin. Donc, problème ça, c'est un problème qui, justement, que nous adressons sous lit rapidement et nous avancer. Et du point de vue et secteur éducation, ok, directeur départemental ministère de l'éducation fait rapport yo, et là on a procédé à une relocalisation de certaines écoles qui subit dommages en façon pour que le plus vite que possible nous capable permettre Simon yo retourner à l'école et continuer l'année scolaire qui débutait là. Parallèlement à ça il y a une mobilisation qu'on a fait pour nous capable fournir ça un appui psychosocial pour élèves avec parents parce que nous connaissons que événement ça sont événements qui bouleversant et qui est qui bouleversé, donc n'a pas yo support ça en façon pour yo capable et retourner j'aime dire déjà dans normal. Entre temps il y a tout effort qu'a fait au niveau gouvernemental actuellement pendant on a parlé là et premier ministre avec ministre Chita a réfléchi sous justement différentes actions que n'a entreprendre et que n'a bien pour entreprendre pour nous capable finaliser réponse immédiate là particulièrement dans des côtés Gankou Paul Hubert Goumon Pilat et cette autre ville qui justement subit un impact assez sévère de situation ça. Nous prenons pour nous rencontrer nous déjà en dialogue tout avec partenaires nous pour nous capable travailler ensemble avec eux pour nous capable orchestrer réponse là et c'est dans ce sens que justement jusqu'à présent la protection civile là n'a pas avancé et nous continuons à rester à côté de la population pour nous porter réponse support dans ce moment difficile qui a passé là. Et une bagaille que m'ta aimé et mettez accent sur lui, c'est le fait que la journée aujourd'hui, situation ça a présenté et ça qui est important pour nous retenir, c'est particulièrement ces consignes de sécurité que nous devons changer dans la situation ça. L'autre a tremblé justement pour chercher à habiter ou non en bas en souci qui est relativement solide, parcourir. Et ça qui est important tout si ou non caille ou bien ou était non un édifice qui pas solide ou bien qui était peut-être déjà affecté justement pour prédisposition pour que justement Sankar et les répliques pas justement poser des problèmes et viennent compliquer situation qui déjà difficile déjà. Ma remercie nous pour attention nous. Justement intervention par nous à la Chita sous des dispositions et des conseils que zone ça et tout l'autre monde à travers pays a dû suivre pour ne pas gagner à dire que pour pas entrer en dedans maison qui est endommagée. Et tout le monde connaît que qui problème ça a représenté lorsque on réplique. Donc, dans ce sens-là, nous demandons à tout le monde, quel que soit à côté de lui, toute maison qui rend compte qui a un fissure, qui est endommagé, pour ne pas entrer en bagage ça. Deuxième élément d'information et de conseil, puis respecter toutes mesures de protection qui existent. Donc, et suivre information que protection civile, monde qui a une autorisation pour ça, qui a une autorité, qui a communiqué régulièrement information sur comportement pour gagner, qui disposition qui prend et qui évolution gagner dans l'événement. Et éviter information pas vérifiable pour que la situation n'est pas plus compliquée pour vous parce que y a prend information de tous côtés et dans ce sens-là, nous dit que seule autorité qui gagne pour informer, c'est protection civile et tout ça qui a passé, c'est pas l'État central qui a coordonné par comité qui a géré la situation ça. Et qui siégeait ou bien dans la caille résidence officielle du Premier ministre et ici à la protection civile que Dr Chandler a dirigé. Prenant ça, nous voyons information à tout le monde pour respecter les consignes
et mesures de sécurité. Merci. Donc, moi-même, je vais porter précision sur la sensibilisation que nous avons fait au niveau de don de sang. Depuis hier, et nous avons rencontré avec la Croix-Rouge dans la direction de protection civile là, et avec le ministère de la Santé, côté nous avons partagé, nous avons encouragé les citoyens à le faire don de sang parce que c'est un bail qui est vraiment important pour nous, pour nous dans le Grand Nord et dans le département d'Antibonite. Donc, nous avons encouragé tout le monde à aller dans le local CNTS qui est le centre national de transfusion sanguine qui est dans le local Digicel, le premier étage. Donc, nous avons encouragé tout le monde à le faire don de sang et nous-mêmes, nous avons travaillé avec protection civile dans le sens que et le cadre et GRD qui est gestion des risques et des désastres. Côté nous allons faire déplacement très bientôt dans le département pour nous parler avec Mounio dans différents communes et surtout étudiants qui sont très traumatisés pendant la parler là. Donc c'est ça pour le moment. Et puis Pita, pas gagné un rencontre côté ma docteur Chandler pour pas plus détails sur ça. C'est dans l'état qui t'a parlé. Dernier élément d'information que m'a communiqué donc, gagné en. Communiqué qui sorti depuis hier, c'est le ministère de la Culture et de la Communication qui mettait le lien pour annoncer officiellement l'État mandé tout le monde qui décide de bailler un support généralement quelconque à victimes, à l'État haïtien, à la population haïtienne suite à le tremblement de terre là pour adresser directement à DPC qui c'est Direction Protection Civile. Communiqué ministère de Communication a précisé. Tout le monde qui est institution humanitaire, qui veut aide alimentaire, aide sanitaire, quelque soit aide là, il faut que la DSLA DPC pour qu'il soit capable de donner une autorisation pour intervenir sur le terrain. Dans le cas où tu es capable de gagner un monde qui n'a pas respecté les dispositions, qui par exemple prend un convoi humanitaire pour monter dans le département concerné, eh bien, la police a une instruction pour que yo fait intervention relativement à violation de disposition que le gouvernement prend pour que c'est DPC qui d'abord délivre une autorisation à mon qui a intervenu, ensuite fait coordination aide humanitaire là qui relative à ça qui passe. La deuxième information que je voulais communiquer nous, suite à disposition ça, gagné une rencontre que le Premier ministre a fait après-midi dans la résidence officielle avec tout bailleur pour connaître qui qualité support décide bail, qui aide à bail et comment aide à coordonner. Dans ce sens, les journalistes sont invités après la réunion pour couvrir une conférence sur la presse à 3h30 dans la résidence officielle du Premier ministre qui est dans le Rousseau pour connaître les dernières dispositions qui sont dites dans la rencontre. Effectivement, le président a fait une déclaration lors de l'arrivée dans les Nations Unies pour dire que le pays a pu parler que en 2010. Et je vous dis aujourd'hui, son déclaration qui est affirmative parce que justement je ne veux dire nous capable de dire que et pays hein, par rapport à tout ça que nous gagnons en termes de gestion de risque à désastre lit différent. Ça veut dire que ça veut dire que je veux dire nous avons une institution de protection civile qui proactif et qui agressif qui capable avancer. Nous avons des brigadiers qui étaient sous place lorsque justement situation présentée pour accompagner les populations et connaissance du risque ça les connaissances du risque là nous parlons de plus en plus de situation ça ok et ça permet que tout le monde orienter tête pour être capable de chercher moyen pour être capable. Est-ce qu'il y a un travail pour faire toujours? Oui, il y a un travail pour faire toujours. Est-ce que nous avons amélioré? Oui, nous avons amélioré et c'est pour ça que nous là et ce travail ça que nous avons fait. Mais est-ce que nous préparons? Oui, nous avons pas qu'un travail qu'on a fait, n'a pas avancé et nous organisons nous pour que justement nous capables coordonner jour et jeudi et pour nous déjà capable porter des éléments de réponse à la situation qui est présentée. Deuxième question que et journalistes ont posé tout à l'heure, c'est construction. Bon, ça sont des questions qui sont relativement larges, je l'ai dit, dans la mesure où effectivement, et Jean-Ingénieur Petit si toujours dit, c'est pareil pour nous parler. Risque, c'est pas tremblement lui-même, c'est justement conséquence que le cas gagne par rapport à habitat, par rapport à différents facteurs qui entrent en ligne de compte. Et justement, je vous dis, c'est que son l'autre signal d'alarme que Liban nous encore pour que justement gagne un changement dans la façon pour nous aborder le problème. Et le problème, c'est à deux niveaux pour nous. C'est certain que le code de construction, le code de construction qui gagne là, je vous dis, il a été mis à jour. Et
l'a implémenté, mais le problème là qui vient en tout, c'est que il faut que justement nous-mêmes, au niveau de collectivité et travail sur le ministère intérieur, renforcer la collectivité pour être capable d'imposer le code de construction. Hein. Mais parallèlement, tout, connaissance du juriste, j'aime dire tout à l'heure, pour nous connaître tout, lorsque vous faites construction, pour faire ça que vous faites là, pour vous construire correctement, pour diminuer justement l'impact risque, lorsque justement le type de situation ça a présenté. Vous pouvez répondre à votre question, non? Il y a une qui te concerne. Vous pouvez relancer sur construction, il y a des gens, par exemple, Bourdon, qui ont joué des autorisations là même pour construire. Qui garantit que nous-mêmes, dans l'État, nous avons que nous avons longtemps d'après des discours sur les constructions anarchiques. Je vous dis, je me dis, et nous ne pouvons pas prendre, nous ne pouvons pas arrêter sur, comme on a dit ça, on graine volet dans le problème. Effectivement, c'est un problème qui existe, okay? Et c'est un problème qui peut agresser par plusieurs secteurs ensemble. Donc, je ne vous dis encore, ça m'a dit, c'est que le gouvernement, de manière plus large, à réfléchir sur la problématique là, pour chercher à joindre des moyens pour que justement nous puissions avancer là-dedans, parce que le problème là, c'est mon problème qui est régional, c'est mon problème au grand côté, c'est mon problème national. Mais ça me capable de jouer, je vous dis, comité national de gestion risque à désastre, chita sous ça déjà, discussion à faire avec différents ministères sectoriels pour recherche de solutions pour que justement nous capables d'avancer sur lui. En attendant justement, je vous dis, on n'a pas avancé sur l'urgence que nous avons là pour nous adresser lui. Et déjà, à travers l'urgence, on est capable de dire que, et une leçon que nous apprenons et qui pourra justement implémenter, c'est la façon que nous allons aborder justement victimes et ces 6 octobre là, pour que déjà, yo même servi de exemple par rapport à justement tout ça qu'on a parlé là pour diminuer l'impact risque que construction est capable de représenter pour la population. Okay. Et EIC justement yo formé, yo metté à contribution, yo peut-être pas metté à contribution dans tout côté de manière uniforme parce que j'en connais protection civile sont institutions qui ont portée nationale et qui gagnent justement ont identité territoriale parce que nous gagnons représentation dans tout pays. Hein. Donc justement il y a des équipes d'intervention communautaire qui déjà paré pour être capable de travailler donc yo metté à contribution. Ça qui manque matériel justement et ou bien qui manque certains éléments d'information, nous pas voulons risquer ou ni mettre au dur sans que justement nous pas considérer ça. Donc c'est pour ça que justement on a fait effort dans la protection civile pour que nous capables gagner un maximum de moyens dans nous pour que toute équipe nous capable à même niveau capable d'intervenir et faire œuvre qui va. Parce que en même temps tout, nous pas voulons pour nous mettre des monde dehors pour faire intervention pour nous ça remet tête en danger. Donc quelque part nous voulons conséquent par rapport à son affaire et son travail j'aime dire là qui continue par rapport à mise sur pied et à renforcement et activité police civile à faire au niveau de volontaire que nous gagnons sur le terrain. Si nous permettons, je vais commencer à répondre aux premières parties dans la question que a adressé le secrétaire d'État en ce qui concerne l'autorisation. L'idée d'autorisation, c'est pour une idée nouvelle, premièrement. Deuxièmement, c'est pour un protocole qui n'a pas existé. C'est comme ça que nous-mêmes, dans la police civile, nous fonctionnons. Côté que nous-mêmes, nous travaillons avec tout partenaire que nous gagnons, mais on travaille côté que la police civile, c'est lui-même qui fait rôle de coordonnateur par rapport à ça gain. Donc l'idée c'est qui ça, c'est que au niveau national, au niveau départemental ou au niveau local, tout le monde qui a intervenu vient nous pour que nous capables mettre l'ordre dans ça qu'a fait là. Mais qui ça gain, mais laisse ça nous capable chita ensemble pour nous. Mais côté problème là, mais qui ressources que nous gagnons et à travers ressources ça yo dispatcher et utiliser à bon escient. Donc ça que me capable dire à titre d'élément additionnel, c'est le fait que organisation locale normalement fait partie de ça, les comités départementaux de gestion et de risque de désastre. Donc, ils participent avec représentation locale et régionale pour l'action civile. Là. Donc, l'OIAPG pour intervenir, ils travaillent eux-mêmes, justement, tout directement avec les représentations qui déjà existaient dans la protection civile. Là. Donc, coordination, ça, l'APK fait. D'accord. Donc, passez-moi quoi? Pour moi, c'est l'intervention de Dr. Chandler sur la question de gestion. Être là, c'est une note de rappel que le ministère de la communication avec la culture fait pour dire aux ONG qui a intervenu et ça qui comptait et intervenu après les ASLA, après la catastrophe naturelle là, pour qu'ils ne passent par la structure qui l'a poussé qui s'est dépassé. Ariane a déjà demandé est-ce que ONG qui a intervenu sur le terrain, il a eu autorisation. Il faut nous dire que tout ONG qui a intervenu sur le terrain, il y a travaillé en coordination avec la structure départementale qui concerne dans divers secteurs. Ça qui est dans la santé, il y a une affaire sociale, il y a un travail public qui a intervenu avec ceux qui sont déjà sous terre. Et expérience ça, à titre personnel, des biblies, les matchs étaient passés. Il y a une ONG sous terre qui a stock aide. Et bien, à ce moment-là, une fois la catastrophe arrivée, je prends contact avec la direction des départementales concernées pour connaître comment orienter l'intervention sous terre par rapport à besoins qui viennent nécessiter
après passage tremblement de terre ou bien catastrophe naturelle là. Vladimir m'a dit, est-ce que n'a pas utilisé la transparence comme méthode? Eh bien, oui, nous décidons de faire dans le gouvernement une communication de transparence. Et ça fait depuis la catastrophe arrivée, l'État fait communication officielle sur ce qui s'est passé. Nous disons que c'est 15 personnes qui sont victimes, qui mourent. Jusqu'à présent, on a des gens en protestation à côté pour nous dire que nous avons en plus, mais une quantité en plus. Ça fait presque 48 heures, nous déjà peut-être dans 36 heures. Moi, je crois, si on regarde l'intervalle de temps qui est écoulé, jusqu'à présent, la disposition qui prend pour gérer l'information, nous jusqu'à présent respecté la question de transparence et nous avons communiqué les infos vraies. La deuxième chose, oui, moi-même, avec toute l'autre équipe qui est dans le gouvernement, nous avons décidé de parler devant la presse, venir présenter un rapport détaillé et chiffré et sur la question de l'argent pour nous dire. Mais ça que mobilisé, les ministres ont été décaissés, mais c'est des interventions qui font, mais les gens qui bénéficient. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour que le gouvernement ait communiqué avec nous-mêmes à travers la structure qu'il a pour ça. Au cas où nous pensons qu'il y a une information additionnelle, porte-parole est ouverte. Et le prochain rendez-vous, c'est à 3h30 dans la résidence officielle pour une communication sur rencontre pour le ministre, récent gouvernement, avec les bailleurs de fonds qui sont intéressés par la question.